Bienvenue dans l'entretien d'embauche. Je suis avec Booba. Booba, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. Très très bien. Nous recevons ce soir Monsieur Ulysse Rabaté. Bonsoir. Ulysse, on est dans une nouvelle émission aujourd'hui sur la Blackout Radio. Mm-hmm. On reçoit un peu plusieurs candidats qui se présentent à l'élection législative. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Bon, déjà, je vous remercie de l'invitation. Donc, moi, c'est Ulysse Rabaté. Je suis élu à Corbeil-Essonne, donc élu dans l'opposition, notamment contre le système d'assaut à Corbeil-Essonne. Et je suis candidat suppléant de Farida Amrani sur la première circonscription de l'Essonne. Donc, la première circonscription de l'Essonne, c'est Évry, Corbeil, Villabé, Lisbondoufle et Courcouronnes. Donc, une circonscription emblématique qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps parce que c'est celle de Manuel Valls qu'on espère battre ce week-end et le week-end d'après. D'accord, donc dans la vie, vous êtes pas né en politique, vous avez eu un parcours précédemment. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie de tous les jours avant de faire de la politique finalement ? Bah, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on dit souvent, ce qui nous différencie de Manuel Valls, c'est que nous, on ne fait pas un métier de la politique. Donc moi, je travaille, je suis cadre dans une commune du Val-de-Marne. Donc on fait de la politique, on va dire, en dehors de nos heures de travail. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on est, avant d'être des élus ou même des candidats, on est d'abord des militants. Donc moi, je suis engagé en politique depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé dans le milieu associatif, dans les manifestations. Et puis, peu à peu, j'ai pris des responsabilités à Corbeil-Essonne, où je me suis présenté en 2012 déjà. J'étais candidat aux législatives contre Manuel Valls déjà, donc il y a 5 ans, avec le Front de Gauche. Et là, 5 ans après, les municipales sont passées, où j'étais aussi candidat dans ma ville, Corbeil. Et là, aujourd'hui, candidat aux élections législatives, mais suppléant cette fois, et je suis content aussi de laisser la main et de laisser de nouvelles personnes être candidats avec Farida Amrani. C'est intéressant. Au final, est-ce que ce n'est pas un peu le manque de diversité dans la classe politique qui vous a poussé, vous, à vous engager en politique ? Je rappelle, vous êtes avec France Insoumise cette année. Bah, en tout cas, ce qui m'a poussé à m'engager, c'est plein de choses. Et c'est pas que le monde politique ou le manque de diversité dans la politique. C'est déjà le monde dans lequel on vit et les injustices qui marquent notamment notre société. Donc c'est ça d'abord moi qui m'a poussé à m'engager. Et ensuite, évidemment, nous, on a aussi une responsabilité. C'est face à ce monde politique qui est en effet très homogène. Et il n'est pas homogène que pour la couleur, il est aussi homogène socialement. Il y a presque, on va dire, des profils socio-culturels très homogènes dans le monde politique. Et donc notre responsabilité à nous qui sommes élus en banlieue, bah, c'est de faire entendre une autre voix dans les institutions et essayer de les faire bouger. Nous, on dit souvent qu'on ne vient pas dans les institutions pour rentrer dans le moule. Mais au contraire, on y va avec un état d'esprit subversif et avec l'idée que tout ce qui a changé dans la société, bah, il faut le changer aussi dans les institutions. Et c'est aussi pour ça que, contrairement à d'autres amis à nous qui font le choix de rester dans la démarche associative ou dans le militantisme en dehors de la politique, nous, on décide de s'engager en politique et de participer à des élections. Ça ne veut pas dire qu'on a raison par rapport à ceux qui restent en dehors. Ça veut juste dire qu'on a choisi cette voie-là. Mais on continue par ailleurs à s'engager. Et voilà, moi, il y a le temps électoral, il y a le temps des élections, mais par ailleurs, on est engagé sur tout un tas de causes. On n'a pas besoin des élections pour se bouger, croiser du monde, rencontrer, et puis voilà, faire avancer des choses. Comme vous l'avez dit, la première circonscription est composée de villes emblématiques, donc Corbeil-Essonne, Évry, et j'en passe, Bondoufle. Mais bon, c'est vrai que Corbeil-Essonne, Évry sont vraiment emblématiques. Il y a un record, là. 22 candidatures pour cette circonscription, dont Francis Lalanne, Monsieur Dieudonné, qui se donne en spectacle. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça ? Bon, déjà, il se donne en spectacle, concrètement, il se donne en spectacle chez vous, dans votre circonscription, parce que j'ai cru comprendre que son meeting, c'est à Fleury. À Fleury, enfin, ouais, voilà, c'est ça. Sur le territoire de Fleury. Donc oui, il y a beaucoup de candidats. Évidemment que la personnalité très clivante de Manuel Valls, elle fait beaucoup parler, et donc du coup, elle a attiré des gens qui avaient envie de profiter un peu de la lumière, notamment la lumière médiatique autour de Manuel Valls. Donc, en effet, nous, c'est beaucoup ce qu'on a dit ces dernières semaines, c'est que c'est avant tout un manque de respect déjà pour les habitants de cette circonscription, puisque les parachutages et les gens qui viennent pour, entre guillemets, faire du buzz sur le dos des habitants de la circonscription, il y a une question de respect des gens qui est posée. Et puis au-delà de cela, c'est aussi un manque de respect pour les gens comme nous qui se battent depuis des années sur le terrain et pour qui la politique, ça a du sens.
puisque moi je suis candidat, mais je ne fais pas de la politique tout seul, je fais de la politique avec beaucoup de gens, des citoyens engagés qui prennent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour faire avancer des causes et donc qui montrent un beau côté de la politique. Et ces gens-là qui viennent finalement comme les pires politiciens qui prétendent critiquer juste à 2 semaines des élections pour faire un petit peu parler d'eux. Voilà, moi je suis pas très enthousiaste à leur égard, mais de toute façon la population non plus, puisque personne n'est dupe. Et moi je suis convaincu, et c'est d'ailleurs ce que les premiers sondages montrent, c'est que pour les élections qui viennent dans notre circonscription, ce qui l'emporte, c'est les repères politiques et notamment notre candidature France Insoumise, qui rassemble très largement à gauche de Manuel Valls, et Dieu sait qu'il y a de la place à gauche de Manuel Valls. Mais pourquoi tant d'engouement envers cette circonscription, à votre avis, ce record-là, 22 candidatures, pourquoi? Ouais, parce que ça nous rappelle un peu l'élection de 2002, où on a eu un certain nombre aussi de candidatures au présidentiel. Bah, déjà, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que tout le monde est légitime pour être candidat. Donc moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, t'as pas à être candidat aux élections. Pour moi, celui c'est ça ce qui est beau aussi dans la démocratie, c'est que celui qui veut être candidat, il l'est. Manuel Valls, on le présente plus, entre guillemets, et il y a plein de raisons d'être en colère contre Manuel Valls, et donc il y a plein de raisons de vouloir se présenter aux élections face à lui. Après, il y a, je le redis, un effet d'aubaine, d'opportunité autour du côté très médiatisé de la circonscription, et on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui profitent aussi de temps électoraux pour se faire un nom, se faire connaître, et ici, c'est un petit peu le cas. Après, encore une fois, sur ce qui est du combat politique sur le terrain depuis des années, nous on a la chance avec Farida Amrani qui est élue à Évry et qui est celle qui est la première à oser défier Manuel Valls à Évry aux élections municipales de 2014, et moi qui suis élu à Corbeil, on a la chance aussi d'avoir un ancrage sur le terrain qui fait que dans une certaine mesure, c'est les candidatures un peu superficielles, fantoches, ne peuvent pas trop exister à côté de la nôtre. Comment se sont faites les alliances avec voilà, les autres partis politiques qui sont, c'est-à-dire voilà, vous êtes allié avec la France Insoumise. Voilà, comment vous en êtes venu à vous allier avec la France Insoumise? Il faut savoir que nous, on a une histoire qui est quand même plutôt proche de celle du front de gauche, en tout cas ces dernières années. Donc on va dire tout ce qui se passe à gauche du PS, nous, ça nous intéresse. Après, on a aussi une histoire citoyenne à Corbeil-Essonne et à Évry, où nous, c'est avec des démarches associatives qu'on va aux élections municipales, et c'est avec ces démarches associatives qu'on est en tête de l'opposition, et en tête de l'opposition à Serge Dassault à Corbeil. Et donc cette démarche associative, elle est ancrée à gauche, mais elle est aussi très citoyenne, très ouverte, et c'est pour ça qu'on a accueilli avec de l'enthousiasme, du bonheur, le soutien de la France Insoumise, qui est aussi d'une certaine manière un mouvement citoyen, même si elle est très marquée par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Elle est surtout un mouvement citoyen qui est en train de se construire sur la gauche et qui prétend, et est aujourd'hui d'ailleurs, le repère à gauche et la force politique centrale à gauche. Ce qui ne veut pas dire que nous, demain, on sera des petits soldats de la France Insoumise. C'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit qu'il y a une construction citoyenne à gauche. On est soutenu par la France Insoumise et on continue de travailler pour demain construire ce mouvement politique qu'on espère, nous, c'est aussi notre petite sensibilité, toujours plus ouverte sur les villes de banlieue, les quartiers populaires, parce que c'est aussi des questions qu'on essaie de faire avancer dans la campagne électorale. Mais justement, la personnalité de M. Mélenchon ne représente-t-elle pas un frein, c'était pour votre candidature, à des moments donnés en tout cas? En tout cas, toutes les personnalités un peu fortes, y a autant d'avantages que de défauts. Et souvent, d'ailleurs, les avantages sont les défauts. Donc moi, encore une fois, on est soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un soutien qui nous aide beaucoup, parce que dans le désordre politique actuel, Jean-Luc Mélenchon, ça reste un repère. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve aussi le score qu'il a fait dans nos villes et notamment dans nos quartiers populaires, des scores très impressionnants. Et c'est pas des scores, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, c'est pas des scores juste parce que Jean-Luc Mélenchon, il fait des bonnes punchlines ou qu'il est sympa ou que... Non, le vote pour Mélenchon dans les quartiers, ça a été aussi une adhésion à un discours politique. Et moi, je suis heureux de ça parce que avec beaucoup de gens qui font de la politique dans les quartiers, nous, on combat l'idée que les quartiers populaires seraient des déserts politiques. Au contraire, il y a beaucoup de politique, beaucoup de révoltes, beaucoup de débats dans les quartiers. Et nous, on est content que dans des échéances comme les élections présidentielles et les élections législatives, il se passe des choses. Et donc aujourd'hui, Mélenchon, ça reste un repère.
Et j'ai envie de dire, c'est un frein si on a envie d'en rester là, nous. Mais si on a envie de construire quelque chose, utilisons ça comme un avantage pour construire quelque chose. Et encore une fois, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en politique, ce serait bien qu'on soit de plus en plus, nous, et plus nombreux, à nous sentir légitimes à faire de la politique. Et peut-être qu'on se posera moins de questions sur est-ce que les leaders sont des freins ou pas. On va aborder votre programme, mais avant ça, on va tourner une petite pause et on se retrouve tout de suite. DNLC, disons-nous les choses, édition spéciale, envoyé spécial, nous voici avec Monsieur Moussa. Voilà, tout le monde est très heureux de l'accueillir aujourd'hui à la mairie de Montreuil. Monsieur Moussa, comment vas-tu ? Je vais très très bien. D'abord, merci de venir me voir, de venir à cette réception. Vraiment, c'est un plaisir de voir autant de monde et c'est un honneur de pouvoir représenter ma ville. Donc, vraiment, je vais très très bien. Nous sommes de retour dans l'entretien d'embauche, toujours avec Ulysse Rabaté. Yes. Ça va toujours, Ulysse ? Ça va toujours très bien. Merci de l'accueil. Nous sommes toujours avec Booba. Ça va. On va aborder la partie phare de cette émission maintenant, c'est votre programme un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, nous, on fait campagne sur le programme et on dit toujours, parce qu'on est souvent montré comme les anti-vals et ceux qui peuvent battre vals. Et on rappelle toujours, attention, nous, notre campagne, c'est pas pour faire de l'anti-vals primaire. Nous, on a un programme. C'est le programme notamment qui a été porté par la France Insoumise pendant l'élection présidentielle, le programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Et évidemment, on ne peut pas le détailler tout en détail, ligne par ligne ce soir, mais les grandes lignes de ce programme, c'est un nouveau partage radical des richesses. Et c'est pour nous l'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire de combattre la pauvreté dans un pays comme la France, un pays où il y a beaucoup de richesses, mais où ces richesses sont très mal réparties. Donc nous, la première priorité, c'est le partage des richesses. La deuxième, on en a beaucoup parlé, c'est le changement des institutions, puisqu'on était le seul mouvement à proposer le passage à une 6e République. Et l'abolition de la monarchie présidentielle qui, pour nous, crée beaucoup de mauvaises utilisations de la démocratie en France. Et puis la troisième, qui nous tient autant à cœur, c'est l'urgence écologique et comment on tourne l'économie française vers la transition énergétique. Parce que aujourd'hui, l'urgence écologique, on en parle beaucoup en ce moment avec la décision de Trump de revenir sur les accords de Paris. Mais l'humanité, en tout cas c'est notre idée, elle est au pied du mur et il faut qu'elle soit capable dès aujourd'hui de remettre complètement en cause sa manière de vivre, sa manière de consommer, sa manière de considérer la planète sur laquelle elle vit. Donc nous, on tourne autour de ces trois axes et qui sont les axes nationaux de la France insoumise. Et en même temps, on a notre sensibilité parce que je le redis avec Farida Amrani, candidate titulaire à Évry, et moi élu aussi à Corbeil, on a aussi une sensibilité particulière qu'on veut faire exister dans cette campagne, c'est le fait d'être des élus de villes de banlieue, de villes populaires qui font de la politique dans les quartiers populaires. Et donc nous, on se bat aussi pour que les problématiques des quartiers soient plus présentes dans cette campagne. Si on prend un axe qu'on cite souvent nous pour donner un peu une illustration de nos combats, c'est celui de la rénovation urbaine, puisque les villes d'Évry et de Corbeil sont des villes qui ont été très marquées par la rénovation urbaine et notamment par les démolitions. Et nous, on se bat pour le respect des locataires dans le cadre de ces opérations de rénovation urbaine. Respect des locataires qui passe par beaucoup de choses, qui passe d'abord par l'information, puisque encore il y a 2 mois à Corbeil-Essonne, il y a des gens qui apprennent par un courrier dans leur boîte aux lettres que la tour dans laquelle ils habitent depuis 20-30 ans, elle va tomber dans l'année qui vient. Donc devoir d'information, devoir évidemment de respect des volontés des locataires, et donc ce qui veut dire que les gens qui sont dans des tours qui sont démolies, il faut qu'ils puissent être relogés là où ils ont envie et dans des conditions au moins aussi bonnes que celles dans lesquelles ils vivent, tant en termes d'espace qu'en termes de charges et de loyers. Et puis voilà, nous, ce pourquoi on se bat de manière plus générale, c'est évidemment que la parole des quartiers, qui aujourd'hui est très peu entendue à l'Assemblée nationale, il faut qu'elle s'exprime. Il y a pour ça des députés, mais il y a aussi plein de commissions, de groupes, de paroles à créer pour que cette parole remonte et existe. Et justement, en parlant des banlieues, on sait que la circonscription pour laquelle vous concourez, voilà, comporte des villes telles que Évry et Corbeil qui ont des quartiers en politique ville et des zones prioritaires. Monsieur Valls, à une époque, a parlé d'apartheid territorial. Selon vous, il ne serait pas temps, à un moment donné, de créer un dialogue entre les offices HLM, entre l'État, afin que cet apartheid territorial dont il parle s'amoindrisse à un moment donné ou disparaisse ?
À l'époque où Valls il avait dit ça, nous on avait été quelques élus à réagir. Hein. J'avais notamment fait une tribune avec Abdel Yassine, qui est élu à Fleury-Mérogis, à côté de chez vous, sur cette question de l'apartheid. Donc pour reprendre les mots parce qu'ils sont importants, Manuel Valls avait parlé d'apartheid social et ethnique. Voilà, il avait balancé ça dans la mare, voilà, en disant que c'était la situation de la France. Nous, pour nous, quand il dit ça, il décrit quelque chose, mais il faut s'attaquer aux causes. Et le problème des politiques, notamment en direction des quartiers, ces 30 dernières années, c'est qu'on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Mmh. Et quand on parle, nous, dans notre programme de partage radical des richesses, ça concerne évidemment la manière dont les pouvoirs publics ont une énorme responsabilité aujourd'hui pour casser l'apartheid, si c'est ce mot qu'on utilise, même si c'est un mot avec lequel il faut faire un petit peu attention quand même, puisqu'il est historiquement marqué. Il concerne des régimes qui ont mis en place des politiques de ségrégation volontaire, ce qui n'est pas le cas de la France. Mais si on acte cette question de la ségrégation sociale et urbaine en France, eh ben, il faut la combattre férocement. Mais la combattre férocement, ce n'est pas juste en faisant des déclarations comme ça et en ne faisant rien, puisque Valls, il a à la fois dit qu'il y avait un apartheid et en même temps, c'est la personne qui peut-être avait le plus de pouvoir ces 5 dernières années et qui n'a absolument rien changé pour les conditions de vie dans les quartiers. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait des élus, des responsables, des militants issus des quartiers populaires qui prennent la parole et qui traitent de ces problématiques, et c'est, pour moi, c'est la meilleure manière d'avancer. Vous avez parlé de répartition des richesses. On sait aujourd'hui que beaucoup de quartiers souffrent d'un fléau qui s'appelle le clientélisme. Vous, élus, vous bénéficierez d'une réserve parlementaire. Que proposez-vous de faire afin de faire éventuellement évoluer positivement les choses et peut-être sortir de ce clientélisme? Bon, déjà, la France Insoumise, nous, dans notre programme, et on est toujours là-dessus, nous, si on avait eu la majorité, enfin, si on avait été élu président et si on a la majorité à l'Assemblée, nous, on supprime les réserves parlementaires, puisque c'était dans notre programme, la suppression des réserves parlementaires. Mais remplacer, pourquoi, par quoi du... déjà, il y a quand même quelque chose d'un petit peu... moi, je trouve, que c'est un peu médiéval comme manière de faire, une réserve qu'un député a et avec laquelle il fait ce qu'il veut. Pour moi, le risque aussi du clientélisme, il est là, dans ces moyens un peu démesurés qu'on donne aux élus, et ils choisissent de distribuer ici ou là, en fonction, disons-le, de services potentiellement rendus dans l'avenir, et ils distribuent des enveloppes. Nous, on a une conception de la démocratie et du vivre ensemble qui est complètement différente, et c'est aussi pour ça qu'on combat le clientélisme, que je connais bien en étant élu à Corbeil-Essonnes. On combat le clientélisme déjà en donnant les mêmes droits et les mêmes moyens à tout le monde de réussir. Et le clientélisme, il se nourrit d'abord des inégalités dans la société. Et donc quand on combat les inégalités, on combat les logiques clientélistes, et notamment à l'égard des représentants. Donc nous, ensuite, sur la question des moyens, puisqu'on sait que les réserves parlementaires contribuent aussi, par exemple, à financer des activités associatives qui, très souvent, par exemple, sont nobles. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, on considère que les associations en France, elles jouent un rôle primordial de ciment dans la société et qu'elles ne sont pas du tout assez valorisées. Mais qu'il y a beaucoup de choses à faire plutôt que de saupoudrer des enveloppes pour aider les associations. Il y a valoriser les acteurs associatifs. Il y a peut-être créer des diplômes de validation d'acquis quand on est acteur associatif depuis des années, des formations et potentiellement, évidemment, des métiers du secteur associatif qui a vraiment à développer. Nous, on est des grands défenseurs et je le dis ici avec beaucoup d'affection aussi pour Blockout, parce que moi je considère qu'ici on fait beaucoup d'éducation populaire, et donc nous on est des fervents de l'éducation populaire. Notre candidature, on la porte aussi, on la revendique comme une candidature qui porte et qui prône l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, elle passe par valoriser les compétences et se dire que le pouvoir, il ne peut pas être que descendant. Moi, je pense, par exemple, que souvent, y a plein de gens, s'ils venaient ici à Blockout, eux aussi, ils s'éduqueraient. Et donc, nous, on a une vision horizontale de l'éducation populaire, où quand on crée des espaces de partage, de construction politique, et ben, tout le monde s'éduque. Et c'est ce qui manque un petit peu dans cette logique très descendante de la réserve parlementaire. Il y a quelque chose d'un peu insupportable, qui est que c'est le pouvoir qui décide ce qui se passe dans la société. Et... quelle autre mesure êtes-vous prêt à mettre en place par rapport à, comme on disait, aux quartiers dits en zone prioritaire, sur le plan en termes d'emploi, en
termes de logement, en termes de précarité, qui est très grandissante. Ah bah ça, c'est le premier angle de notre programme, hein, et c'est toujours nous pour ça qu'on s'engage, c'est l'éradication de la pauvreté en France. Parce que, je le redis, il y a quelque chose d'incompréhensible dans un pays aussi riche d'avoir autant de pauvres. Et je dis ça dans une ville qui est celle de Grigny, qui est une des villes les plus pauvres de France, qui par certains aspects ressemble à la ville où je travaille, moi, Villeneuve-Saint-Georges, qui est aussi une des villes les plus pauvres d'Île-de-France. Nous, on se bat évidemment pour l'augmentation du SMIC, pour l'augmentation des minima sociaux et pour l'idée que... pour faire grandir et pour faire évoluer les quartiers, évidemment que la question de l'emploi, elle est primordiale. Et la question de l'emploi aujourd'hui, quand on voit les 5 dernières années qui se sont passées, on a distribué des milliards à des entreprises sans aucune contrepartie sur la question de l'emploi, en leur disant « bon ben voilà, on vous donne des milliards et on vous fait baisser vos charges et puis j'espère que vous nous créez des emplois ». C'est pas comme ça que ça marche. Vous pensez qu'à ces sociétés, il faut les sanctionner, leur mettre des amendes pour qu'à un moment donné, ils emploient le nombre d'habitants qui sont censés employer dans les villes ? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut prendre plein d'exemples de sociétés, parce que de toute façon, les entreprises, quand on parle de l'entreprise, on va de la toute petite entreprise à la grosse multinationale. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des discours généraux sur la question. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, si on prend les grands groupes de BTP qui font des milliards, et notamment des milliards sur des grandes opérations publiques, là, avoir des contreparties sur le taux d'emploi sur les territoires sur lesquels ils ont des chantiers, ça, c'est inévitable de se battre là-dessus. Sur le fait, évidemment, de se battre pour que dans tous les financements publics qu'ils obtiennent, parce que, disons-le, sur par exemple une opération de rénovation urbaine, un bailleur et un promoteur, ils touchent énormément d'argent public avec les projets de rénovation. Cet argent, où est-ce qu'il est à réinjecter ? Il faut qu'il aide à employer des jeunes des quartiers sur des emplois. Et puis, évidemment, ensuite, il y a tout le volet développement social. J'y reviens parce que pour nous, c'est des éléments importants. Développement social dans les quartiers, aider les associations, les acteurs de proximité. Tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour ça, évidemment, il faut se battre pour que les richesses soient mieux réparties. On arrive au terme de notre émission. Et comme tout entretien d'embauche, la célèbre question, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Vous avez une minute. C'est une question qu'il faut inverser parce que moi, je le redis, j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus à nous sentir légitimes pour faire de la politique. Donc, et on ne fait pas de politique pour un siège, on fait de la politique pour défendre des idées, défendre un projet de société. Donc si je peux répondre à une question, c'est plutôt pourquoi nous plutôt que Manuel Valls, parce que c'est ça la question qui va être posée aux habitants de notre circonscription. Manuel Valls, il a incarné la dérive libérale et autoritaire qui a trahi la gauche, ça c'est notre avis. Et puis surtout, il a porté un discours de division et un discours extrêmement violent, notamment à l'égard des quartiers populaires ces dernières années. Et donc nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est là pour faire un barrage de la dignité en politique et on veut représenter tous ceux qui recherchent de la dignité, de l'humilité en politique, parce qu'on ne prétend pas avoir raison avant tout le monde. Mais par contre, ce qu'on prétend, c'est être vraiment meilleur que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui pour défendre les habitants de nos villes. Nous vous remercions, Monsieur Rabaté. On vous donne rendez-vous le 11 juin, donc, après le premier tour. Voilà, et puis le 18 après. Puis on vous invite aussi... Vous êtes invité, bien entendu, au débat de l'entre-deux-tours. Mm-hmm. Est-ce que si vous n'êtes pas élu député, vous serez dans l'opposition de la première circonscription ? Bon, déjà, nous, on pense qu'on sera élu, hein, mais... et je vais même vous dire quelque chose. Même si on est élu, on sera d'une certaine manière dans l'opposition à ce que prévoit Emmanuel Macron pour les 5 années à venir. Et on va dire que nous, on est habitués au statut d'opposant, que ce soit au niveau national et puis même dans nos villes. Donc, c'est pas ça qui nous fait peur. Nous, le combat, on sait qu'il s'arrête pas à cette élection. Le combat pour changer le monde, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là, et il y a les élections et il y a tout le reste qui reste à construire et j'espère qu'on sera très nombreux pour s'atteler à ça dans les années qui viennent. Nous vous remercions. Merci Bouba, merci Monsieur Rabaté. Merci grandement de l'accueil. C'était l'entretien d'embauche avec Ulysse Rabaté, candidat de la France Insoumise dans la première circonscription de l'Essonne.